Monaco, c'est un Evoli. C'est pas grave. Ah, 106. Putain. Sérieux. 106 PC, c'est de la merde. Ok. Bon, c'est sérieux. Un Evoli de 106 PC vient me fironner. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mister Pico, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo Pokémon Go. Vous en dites peut-être, donc c'est une petite chasse de nuit. Il y a des petits moments de journée. Mais sinon, grosso modo, ça se passe la nuit. Donc j'ai coupé plein de bouches, je vous ai mis les Pokémon intéressants. Je vous ai épargné les Roucoul, les Rattata, les Aspicaux, les Chudipantes et compagnie. Je vous ai mis les plus importants. Et donc, c'était du coup à l'église, on s'est posé, on a mis des leurres et on a attendu que ça spawn. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bonne vidéo à tous et on se retrouve juste après du coup. Allez, à tout de suite. Et voilà, un petit soporifique. Bien posé, on va tenter la Pokéball et il devrait rentrer normalement. Ah oui, le coup de tête, le fameux coup de tête qui fait rager plus d'un. Donc normalement il rentre dans la boule, il me semble. Oui, je sais, je gâche beaucoup de Pokéball, mais bon, sur 100 balles, hein, c'est pas grave. Hein. Ah non, il ressortait, donc c'est ça. Ah, et puis il s'enfuit. Donc, hop. Là, je repose à l'heure. Et boum, Fantominus. Bonjour, je spawn, je suis content. Non, mais là, c'est super, c'était cool. Petit Fantominus qui pop comme ça. Ça fait plaisir. Alors là, voilà, super. Pas qu'ils partent, hein. Surtout pas. Fantominus, c'est très important. Ils sont rares en ce moment. Surtout quand c'est les derniers qui te manquent. Hein. Donc, voilà, il est dedans. C'est bon. Et normalement, il y a un petit Ponyta juste derrière, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Petit Ponyta des familles. Allez, la petite boule des familles. Et il devrait rester. La petite super, plutôt, je crois. Quoi. Ouais, c'est ça. Je tentais la super. Hop. Parce que 600 PC, c'est pas de la merde. Hein. Attention. Et rester normalement. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah là là. Je vous jure, parfois les Ponyta, il nous faut courir. Hein. Donc là, un petit Carapuce. Une Super Bowl, normalement. Normalement, je vais le shooter au pied. Je vais réussir à l'avoir au pied. Tiens, boum. Ah, ça, c'est le truc le plus stylé que j'ai pu faire. Donc, normalement, il ressort et je relance une super et il est resté. Bien sûr, avec la Béframby. Bien sûr, la Béframby, des familles. Hein. Et voilà, là, il est resté. Et donc, ça faisait un petit Carapuce en plus. Voilà, c'est tout. Et toujours, voilà, petit Hippodrome qui repopait. Donc, on capturait. Parce qu'un hippotrampe, ça se loupe pas, voilà. C'est important, les hippotrampes. Par contre, c'est vrai que je me souvenais plus qu'il me faisait autant galérer que ça. Donc, dans le monde, j'arrive à le capturer facilement. Là, il restait. Et oui, c'est ça. Il restait tranquillement. Et là, le fameux Pokémon, le plus gros Pokémon, un colossinge. Et oui, un colossinge avait popé. Un colossinage comme ça, sans pression. Bon, il était faible, mais bon. 464, mais c'était un colossinge, quoi. Un colossinge, je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais bon. Donc, normalement, je le capturais. Et puis, du coup, avec l'ajout au Pokédex et compagnie. Ouais, c'est ça. Normalement, il s'ajoute. Donc, ouais. Je l'avais pas à l'époque. Donc, maintenant, il est enregistré. Ah, petit ferro-singe. Là, encore un petit soporifique.
Donc on trouve beaucoup beaucoup de soporifiques ici. Mais voilà, parfois il y a des pop intéressantes, beaucoup de carapuces aussi, beaucoup de roucoules, de chenipans, des ratatas, mais ça on s'en fiche. Donc allez, j'ai loupé autant que ça avant? C'est pas possible. Non mais c'est pas possible, j'en loupe autant. Découragé, franchement. Franchement. Voilà. Donc là, un petit Minitos qui avait spawn également. Donc normalement, il restait tranquillement dans sa boule. Alors il ressortait. Je crois que je l'avais capturé ce Minitos. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, je dois l'avoir capturé, le Minitos. Ouais, j'ai capturé Mimitos, donc c'était bon. Et donc là, un autre hippotrampe qui avait spawné. Donc un petit hippotrampe des familles. De toute façon, les hippotrampes, ils manquaient. Ils m'ont plus vu que j'avais capturé les Poséidons dans une vidéo d'avant. Donc voilà. Ah putain, il faut pas rentrer. Franchement. Là, je vous dis. Là, il devrait rester. Et donc, voilà. Voilà. Là, un petit Nidoré en femelle. Ah, c'est trop chou. Donc, normalement, là, on devrait le capturer facilement dans une super. Et puis, voilà, quoi. Le petit Nidoran. Il me semble qu'il m'en manquait beaucoup, beaucoup des Nidorans. Mais, voilà, quoi. Je sais plus combien exactement il m'en manquait. Du coup, hop, une petite baie, hein, toujours. Hein. Et oui, utilisez toujours une petite baie Frambi pour pouvoir changer vos chances de capture. Une baie Frambi vous donne plus de chances d'avoir le Pokémon. Attention. Voilà, il était capturé. Et donc, ça nous fait un Pokémon en plus. Voilà. Et là, après, bien sûr, évidemment, la femelle, le mâle qui avait popé. Donc, j'ai essayé de le capturer. Mais vous allez voir, ça s'est pas passé comme prévu. Et oui, au bout de la première Pokéball, bien sûr. Voilà. Donc un autre petit hippotrampe. C'est vrai que les hippotrampes, c'est pas mal avec un encens, il popait aussi. Donc vous l'avez vu, hein. Oui, j'ai placé un encens ce coup-ci. C'est rare que je place un encens, mais quand j'en place un, j'en place un. Voilà. Donc normalement, il est resté, si je me souviens bien. Et après, c'est un Pokémon un peu plus rare qui avait popé. Et c'est dommage, j'étais déçu pour le prochain. Et voilà. Nidorino. Et lui, bah, l'Hyper Ball, il m'a fait vraiment galérer et espérer. Donc là, le coup de corne, en mode non, tu ne pourras pas. Donc l'Hyper Ball qui passait. Et là, il ressortait, bien évidemment, c'est pas une surprise. Hein. Je l'ai dit que ça serait pas passé comme prévu. Donc il ressortait encore la baie Frambi. On retente l'Hyper Ball. Bah, on se spamme avec ça en fait. Et en espérant qu'il rentrait, quoi. Et malheureusement, bah, vous allez voir dans quel déroulement ça va se passer. Une, deux, même pas. Je ressors. Et je relance ma boule. Et bim, je te la redégage. Et hop. Ok, je vais dedans. Et là, attention, je ressors. Au revoir. Et puis voilà, cette vidéo est désormais terminée. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous êtes en droit de laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Un petit commentaire et de vous abonner pour ne jamais rien. Merci d'avoir regardé. Bye.